Un couple emblématique de Secret Story a vécu une journée magique ce week-end. Le 2 juin 2024, les deux candidats ont annoncé qu'ils venaient de se marier, entourés de leurs proches. Un couple emblématique de Secret Story a annoncé une grande nouvelle sur Instagram, le 2 juin 2024. À l'occasion de leurs 10 ans d'amour, Charlène et Benoît se sont dit oui devant leurs proches. Ils ont été révélés au grand public en 2017, lors de la saison 11 de Secret Story, remportée par Noré. Charlène et Benoît ont intégré la maison des secrets pour défendre le secret « Nous sommes en couple ». Durant plusieurs semaines, ils ont réussi à le cacher. Mais Barbara Obsommer, qui était très proche du charmant brun durant l'aventure, a fini par le trouver. Si l'émission de télé-réalité a déjà brisé des couples par le passé, il n'en était rien pour eux fort heureusement. Charlène et Benoît s'aiment encore comme au premier jour. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Tiam, 4 ans, et Alba, 10 mois. Et en juin 2022, ils ont franchi un nouveau cap dans leur relation. Ils se sont fiancés lors d'un voyage à Zanzibar, archipel en Tanzanie. Le jeune homme avait sorti le grand jeu pour que ce moment soit encore plus mémorable. Il a emmené sa chair étendre au niveau d'un ponton, alors que le soleil se couchait, et lui a bandé les yeux. Leur fils était présent et tenait un écrin dans les mains. Quand elle a ôté son bandeau, elle a découvert Benoît à genoux, lui présentant une belle bague. Mariage pour Charlène et Benoît de Secret Story. 2 ans plus tard, les tourtereaux ont enfin eu le bonheur de se dire oui. C'est sur Instagram qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle en partageant plusieurs photos. On peut les voir avec leurs enfants à la sortie de la mairie, complices dans la mairie ou en train de signer un document. Pour ce grand jour, Benoît a misé sur un costume de couleur beige. Une tenue aussi portée par Tiam. De son côté, Charlène portait une robe blazer blanche courte à manches longues, ouverte dans le dos. Une tenue signée Elise Martimore qui coûte 1450 €. Et Alba portait une adorable robe en tulle blanche avec un gilet de la même couleur et une couronne de fleurs. 10 ans plus tard. On s'est dit oui. Quelle journée inoubliable pour notre mariage civil entouré de notre famille et de nos amis, merci à vous tous, c'était magique. On se retrouve en juillet pour la suite, peut-on lire en légende de la publication. Sans surprise, leurs abonnés se sont empressés de les féliciter. Et on se joint à eux.